Dominique Fradin. Alors donc, vous avez remis en décembre un beau chèque à l'Institut Bergonié. À quoi va servir ce chèque et le combien est-il? Alors oui, c'est le 12 décembre, nous sommes allés à Bergonié remettre un chèque de 1850 euros, des dons récupérés par l'association Coup de pouce Entraide tout au long de l'année 2023, au cours des différentes manifestations que nous avions organisées. Et ce chèque, nous l'avons remis au directeur des dons, Monsieur Carmona, à l'Institut Bergonié. Et ce chèque va servir à la cellule bien-être pour donner des petits moments de bien-être, de massage aux personnes malades et qui sont soignées pour le cancer. Le directeur des dons nous a assuré que cette somme serait remise directement à cette cellule qui est gérée que par des bénévoles. Voilà le but de notre association tout au long de l'année 2023. Petite somme, une belle somme pour eux aussi. Ah bah, pour nous, c'était déjà une belle somme, hein, parce que c'est la première année que nous travaillons avec l'association. Mais pour eux, bah oui, ils nous ont dit le moindre euro, pour eux, c'est important. On sait qu'ils ont des dons beaucoup plus importants pour la recherche, entre autres. Mais nous, on avait choisi justement cette cellule de bénévoles pour les aider. Prochaine randonnée, donc peut-être en mars. En mars, début mars, oui, je pense, ça sera début mars. Mais bon, on a notre site Facebook et puis on compte sur votre pour nous faire de la publicité également. Voilà.